Et bonjour à tous, c'est Brian, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation. Alors j'espère que ce let's play va vous plaire. Alors j'essaie de faire une facecam commentary. On va voir si ça va marcher. Mais c'est très compliqué. Allez. Presser A. C'est comme ça un jeu d'or, ouais, je voulais faire ça avec la cam. C'est largement mieux. C'est un peu dur à la placer. Commencer la partie. Alors, jouer avec un détecteur de mouvement de la tête permet de capter qu'il n'est pas suivre des mouvements de votre tête, de les appliquer à votre personnage lorsque vous êtes en train de scuter. Oh bah, avec, hein. Mais bon. Alors, commencer la partie amateur, novice, créateur de ce corps, mais vous avez une chance. C'est un média expert cauchemar. On va mettre, je pense, intermédiaire, c'est entre les deux. On va mettre quand même novice pour être quand même assez sûr. Attendez, tac, voilà, pour que Kinect elle me voit bien. Jusqu'à ce que le soit peine visible sur le fond. Ah, ce sera plus comme ça. Parce que là, je vois rien. Ouais. Alors n'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Et voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. CK présente. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Troisième officier au rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Terminé. Alien, c'est le chien. Ripley ? Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anessidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Zeta Reticuli. Et ça disait quoi? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans 2 jours.
Notre voyage vers la station. Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Les cinématiques sont très belles, ce que je vois. Après, est-ce qu'en jeu c'est beau ? On verra ça. J'ai oublié d'allumer le micro. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, oh. Habillez-vous, mais là c'est quoi ? Ok. Ça. On peut pas. Non. On avance tranquillement. Alors, ici, il y a quoi ? Ouais. Ah, bah s'habiller. Alors. Ça. Bon, ça sert à rien. Allez, ça c'est pour enregistrer en fait, c'est pour sauvegarder. Voilà, il faut toujours faire ça. Oui. Tout ramasser, hop, on ramasse tout, hein. Tout ce qu'on peut trouver, hein, comme ça, survivor, horreur. Donc voilà. Taylor, bonjour. Ripley, il n'y a rien de bon dans cette journée. Et je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y est habitué. Je fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée, ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Je vais le rejoindre.
parler à Taylor. Il faudrait savoir déjà où il est. Là, on peut rien faire. Voilà. Là, ok, c'est baissé. Je regarde un peu les boutons. Là, c'est quoi? Alors. Y'a rien. Une échelle? Ouais. Est-ce qu'on peut y aller? Non. Non. Oh, médecin, là, on dirait. Ah. Ah. Taylor. Samuels. Ah non, vous Samuel. Êtes déjà debout? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromo? Oui, classe M. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillée? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. On a discuté. Elle avait l'air nerveuse. Je n'avais pas remarqué. Mais c'est une employée très compétente. Elle n'hésitera sans doute pas à nous aider si on rencontre des soucis d'ordre légal. Allez, c'est bien là, je suis discomplété. Station Sébastopol en approche. On est arrivé. Alors, elle est sur le pont. Faut faire un point. Ouais, je voudrais bien savoir où il est le pont. Alors, ça c'est la map. Alors, le pont. Ah, c'est là-bas. Oh là, mais on peut pas là, là, tout droit, tout droit, ok. Là, ok. Donc là, ça c'est bon, mais c'est... Oui, c'est bien là. Je suis pas sûr à chaque fois. Là. Là. Et là. Bon, à mon avis, il faut le suivre. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez trouvé la prochaine station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien. C'est parti, au boulot. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor, mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? ISMG chargé et calibré, vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Ramassez vos briefings. Ah. Ah, je les vais, mais j'arrive pas à le prendre. Merde. Ah! Voilà. Ok. Je peux pas te suivre pour ça. Alors. Le réveil. Est-ce qu'on pourrait voir? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV-7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte de la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Marshal? Marshal, ici le Torrens, répétez. Les communications de la station ont l'air bousillées, donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio.
Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Mon contrat parlait pas de foutue sortie dans l'espace. C'est la seule option. Et y a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Ça commence déjà très fort. J'espère que l'esplay va vous plaire. Parce que c'est un survivor, c'est spécial, mais c'est assez bien, je trouve. Surtout qu'il a eu des bonnes notes aussi. Sauvegarder. Ah. J'ai pas sauvegardé. Oui, voilà. Alors. Rien d'autre. Non, c'est quoi? Ok, là après on sait plus. Alors. Directement l'ambiance et tout, on n'a pas envie d'y aller.
On va continuer un peu. Ah. Ok, on peut courir. Une crise cardiaque hein. Donc du coup là on peut pas, on en est. Ah là ça donne directement l'ambiance et tout, putain, c'est un truc de fou. Au secours. Oh là là. Mais j'ai rien, j'ai... normalement on n'a pas de lampe là. Non. On va explorer un peu parce que bon, il nous reste un peu de temps. Ça fait trop peur. Ça, on va se connecter, on va voir ce qu'on trouve. Bon, y a rien. Aïe aïe aïe. Ça fait peur. Oh putain. Oh là 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 là. J'ai flippé comme un con. Oh là là. Oh putain. J'étais sûr en plus. Oh là là. Pour ça, heureusement que j'ai mis ma cam. Bon, je verrai si c'est bien avec la caméra, mais franchement, heureusement que je l'ai mis. Ah, fumigène. C'est pas mal. Alors, on va tenir B pour ouvrir. Ouais. Je peux pas passer là. C'est en bas. Par hasard, oula, c'est quoi ça? Un P pour remonter à la surface. Pour remonter à la surface. Ils sont fous de mettre ça eux. Il y a quand même un alien dans le jeu. Et il peut nous trouver partout alors. Ah. Et un truc pour sauvegarder. Y a quelqu'un. Je sais pas où on est.
en garde. Hein. Actualiser. Cool, comme ça maintenant on a la carte. Ah, cool. Salle de passage. Salle d'urgence. Alors, dès que c'est vert, je pense que c'est où qu'on craint rien, à mon avis. C'est-à-dire, là, on craint quelque chose. Mais sans lumière, ça fait très peur. C'est quoi, c'est pour sauvegarder, non? Sauvegarder, ok. Bon, on va accéder. Ok. Sauvegarder. Bon, je pense qu'après on va se quitter là. Alors oui. On va revenir au départ et puis voilà. Si on arrive à revenir au départ. Il n'y a jamais rien qui marche ici. Restaurer le courant du store. Il fait tellement... Oh, que dalle, non, je m'aventure pas. Là encore la guerre. C'est ça, mais... Après c'est où? Ok, là c'est pour rentrer, ok. Bah c'est où on vient là? De toute façon, on peut pas y accéder. Tapez le mot de passe. Il faut un mot de passe. Ok, bon. Je pense que ici, on n'a rien. Même là, on n'a rien. Bon. On va retourner un petit coup. En sécurité. Restaurer le courant. Alors pourquoi ils me disent courant, il est là. Qu'est-ce qui me... Restaurer le courant. Ok. Ouais mais bon. Bon allez. On va se mettre à l'abri. Parce que là c'est bon. Allez. Là on va pas aller plus loin ici. De toute façon je pense pas qu'on peut. Là si c'est quoi? C'est encore un autre truc ou... Non mais si on peut pas. Ça se trouve on peut pas revenir aussi. Ah bah là en fait je suis dans... Pour l'instant là ça va, on va dire.
Bon bah on va retourner là-bas du coup. On va dire c'est ici qu'il y a le plus de jours quoi. De toute façon, là, il y a quoi? Ah, je suis curieux, alors voilà. Je n'aime pas ça. Alors, Camelot, fumigène. Non, mais c'est tout, hein. Ok, bon, en fait, y'a rien. Chaque fois je me prends le bouton. Alors. Bah on va remonter. Hein. On va sauvegarder et puis voilà. De toute façon je pense que pour l'instant on craint rien. Pour l'instant ils vont juste nous faire peur avec avec les images, les bruits et tout. Je pense pas qu'ils vont nous faire mettre l'alien. Alors bon, voilà. Alors j'espère que le premier épisode vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et tout. À écrire dans les commentaires. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !